Ouh, 19h, l'heure du bonheur total, l'heure du nouveau stream du jour, The Big Gamowski. Aujourd'hui, on va se la faire rapidos. Et on va foncer sans plus attendre sur quelque chose qui n'est pas une nouveauté. On continue d'alimenter la catégorie de nos archives shmup. Et pour ça, on va aller sur un petit jeu qui s'appelle. Merde, j'avais déjà lancé le truc. Tu refais, monsieur. Eh oui, démarrage sans fail, c'est pas possible. Qui s'appelle chez nous Acrobat Mission, mais qui n'a pas du tout ce nom-là dans son pays d'origine. Où on a plutôt tendance à l'appeler avec un nom à rallonge que vous allez voir sous très peu de temps. Acrobat Mission, oui, mais il a un autre nom, originellement, et je veux le voir passer. Donc on se resitue un petit peu dans l'époque, on se remet dans le contexte 1991, voilà ce qu'on avait. Ah, c'est pas mal, c'est joli. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Apparemment, il y a du tir chargé. Le truc, c'est que ça m'étonnerait qu'on démarre avec un tir aussi gros, mais bon. Il y a de la bombasse. Moi, je dis, ça va être vite bouclé tout ça. Alors, j'ai toujours mon problème d'audio que je ne contrôle pas trop. Dans le doute total. Ouais, non, c'est bon. Dans le doute total, je ne vais pas douter, je vais faire confiance. Ah oui, la démo est alléchante, hein. Vous voyez ça sur une borne d'arcade posée dans un coin du bistrot à l'époque. Vous dites, toi, je vais te consacrer 2-3 pièces s'il me reste de la monnaie. Il y a moyen qu'on s'amuse ensemble. Je vais juste baisser mon retour qui doit peut-être vous faire un peu mal aux oreilles. Et on va regarder la gueule que ça a. Je suis Jet. Et oui, Nova, tu resteras pixelisé, vilaine. C'est pure ambiance 85-90. Amiga et Atari ST ont fait leur travail derrière. Attention, gros scénario. Waouh! Non, mais même la typo, quoi, c'est typique de cette époque. La période entre 80 et 90. On commençait à avoir un petit peu de couleur, donc on faisait la frime, on mettait même des ombrages sur les typos. On peut faire un scénario quand même assez puissant, quoi. Eh oui, on va pousser les limites du pilotage. Et la musique. La musique, pareil. C'est exactement cette époque. Alors, je testerai mon petit tir chargé plus loin. Pour l'instant, je vais faire du massacrage de masse. En croisant les sticks. Pour que un bonus par exemple arrive au plus tôt, pour me permettre d'avoir autre chose qu'un pistolet à bouchon pour éradiquer la menace spatiale. Voilà, ça va mieux là. Là je me sens déjà plus. Alors le tir chargé m'a l'air d'être une grosse merde, il faut bien 3 voire 5 secondes pour arriver à 1, 2, 3, 4, 5, c'est ça. Ah. Oula, j'ai nucléarisé la zone. Hey, tu me plais, toi! Un tir où il n'y a quasiment pas besoin de viser! N'est-ce pas le bonheur? Ah, pour le début 90, c'est bien, parce que c'est très chargé graphiquement. Ce qui est relativement plaisant. Ah, il y a ambiance-ambiance, hein, avec la musique. Qui est ce qu'elle est, mais bon, qui est exactement de sa période, on peut pas lui reprocher. Alors, ça vaut quoi en recharger ça? Moi, je suis pas terrible. Vas-y, me fais vraiment rire. Bon, alors je ne connaissais pas Stick, et pour le principe, déjà il est validé. Il n'ira pas croupir au fond de la maille qui traîne au grenier. En attendant désespérément que la maison prenne feu un jour. Pour l'instant, il y a de la jouabilité, il y a de la visibilité, il y a du boulot de speed comme on l'est. Qu'est-ce qu'on peut avoir pour se plaindre? Une petite monotonie latente peut-être, mais bon, c'est le début, on n'a pas encore rencontré de boss. Les misères vont arriver. Oh, voilà les misères qui arrivent. Salut les misères. Ouais, non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, on va se calmer déjà. Et les présentations là. Alors salut, ça c'est super bombe, c'est une amie à moi.
Je m'en sers souvent quand j'ai un gros en face de moi comme toi et qu'il me salue à grands coups de truc dans la gueule, ce qui est pas toujours bien vu. Tu as j'aurais dû rester derrière ma bombe, la faute de débutant. Bouge pas là. Mais non, de toute façon tu vas pas bouger quand je pourrais faire des trucs, c'est clair. Donne-moi cette putain de bombe. Tu sais, barré hors l'écran, je suis déception, je suis peine, je suis... Est-ce qu'il y a quelqu'un nerveux interne? Oh, rends-moi cette bombe. Rends-moi cette bombe. Elle est à moi. Elle est à moi. No continue bonus. Eh oui. Eh oui, tu peux avoir ma bombe. Je peux avoir ma bombe, s'il vous plaît. Merci. À moi! Non! Mais va te faire! Mais va te faire, quoi! Ce jeu est beaucoup trop sérieux. Il est validé. Il en profite. Il se dit, ah ah, je l'ai bien eu, l'autre, il m'a validé. Alors qu'en fait, à partir de maintenant, je deviens totalement injouable. Et voilà! Je suis la méchanceté incarnée, je suis la perversion ultime, quoi. J'aime bien ce tir. Y a pas besoin de charger, il nettoie bien, y a pas besoin de proviser. Si ça, c'est pas du bonheur en barre, je sais pas comment l'appeler. Voilà, petit canaille, tu veux me faire des blagues à base de laser. Ok, je me... On chie un peu là. Alors ce qui est rigolo, vous le sentez pas forcément, mais il y a une petite inertie du vaisseau et il rebondit contre les obstacles, ça c'est rigolo. Je sais pas comment je passe là, je pense que j'ai une box qui est plus petite. Je sais pas comment je le passerais ce niveau si je n'avais pas ce tir. Là je vous dis les amis. Bordel de merde. Ouais. Ah zut, je me suis un poil jeté sous un tir. C'est qui a vidé ses poubelles dans l'espace là les gars? Eh ouais, mais moi ça me met la merde, je l'avais dit. On ne vide pas les poubelles dans l'espace. Il y a des gens qui circulent, qui ont besoin de la place. En plus ces déchets mettent 10 siècles à se faire détruire. Allez hop, mets-moi ça, je ne peux plus. Oh, le petit salopard! Et j'ai plus de bombe! Tu vas pas me laisser là, un petit continu. If you leave me now. Ah non, pas de pistolet à bouchon, pas de pistolet à bouchon, le pistolet à bouchon, non. Oh, j'aurais dû garder ce tir tout le long du jeu. C'est le seul qui est vraiment idéal. T'as un vrai impact qui tape un peu sans trop se faire flic au milieu des débris. Je sais pas qui c'est qui est venu piquer ici, t'as tout balancé. Hein. C'est dégueulasse. Oh, fuck you. Alors, j'ai pas trop compris Emergency s'il y avait moyen de modeler quelque chose. Et je n'ai pas de bombe. Et j'ai pas de bombe. Et je peux pas me faufiler où je veux. En fait non, on se fait kamikaze sur le... On se fait kamikaze quand on se fait dégommer en fait, apparemment. Et on rebondit contre les ennemis, on n'explose pas, ça c'est rigolo. Et du coup ça vous déplace en vous mettant dessus des tirs que vous n'aviez pas franchement envie d'accueillir. J'arrive pas à récupérer mon putain de bonus. Allez, on a déployé un coup de bombe, que ça fait. On a une seconde qui arrive, je vais pas me laisser déprimer. Je n'ai même pas la charge tant que j'ai pas récupéré un bonus. Ce qui est quand même super triste pour moi.
que je sais pas trop comment je vais m'en sortir à partir de maintenant. Si ce n'est avec perte et fracas, comme on dit. Dis donc, ce ne serait-ce pas l'étoile noire que je vois au fond? Enfin, l'étoile grise? Enfin, la boule de bowling? Pas être facile. Est-ce que je repars au même endroit? Ouais, à peu près. Toujours avec mon tir bien poivre. Ça change pas le tout qui ne gagne pas. Et entre nous les gars, si vous avez des bonus qui traînent, vous savez pas quoi en faire, je prends. Oui. Non mais regardez-moi cette chion-lit là. Une chion-lit d'espace. Je crois que je viens de trouver les morbacs du cosmos. Je sais comment appeler ça autrement. J'ai pas de bombe les gars, j'ai pas de bombe, j'ai un tir de merde, comment je fais? Genre ça c'est un poil dommage quand même. Mais putain, laisse-moi ramasser ce bonus de merde, enculé de ta race maudite! Fred, sors de ce corps. Sors de ce corps. Infirmière, vaccin, vite. Non, mais là, il y a besoin. Toi, tu me fais des attaques à base de planète. Comment je passe? Space Deep bâtard. Ouh, je suis en train de m'énerver, c'est pas bon signe. Super, la danse des connards. Et je te tire dessus, et je te... J'ai été obligé de chanter du... Hey les gars, j'étais en train de ramasser le bonus là. Là je vais remets-moi au début du niveau, tu vas te prendre le pâte dans la gueule. Début du niveau. Alors admettons que cette fois j'arrive à choper mon bonus, ce qui sera un terme rare. Et que par une grande patience et une sagesse de jeu, j'arrive à... Putain, je vais pas récupérer la seule bonus là. Au moins le tir cumulé, je sais pas. Ça s'appelle de la compassion quand on est humain. Et ce jeu est tout sauf humain. Putain que c'est chiant les rebonds en fait. J'ai l'impression d'être une boule de flipper. Qui roule, qui roule, qui roule. Donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça. Yes, oh yes, oh yes. Donc l'équilibre du jeu tient au fait que si vous paumez tout votre armement, vous vous retrouvez comme une grosse merdasse. Avec juste votre petit pipi-pipi. Et franchement, ça ne fait pas. Alors là, quand même, ça passe beaucoup mieux. Salut chéri, ça va bomber. Je perds patience. Monsieur Taylor. Donc ce jeu est validé, mais il n'ira pas pour autant dans le Hall of Fame des shooters. Il restera bien hors de sa portée malgré pas mal de qualités. Hein. Donc essayez. Maintenant, je suis pas persuadé que vous ferez des gros moments d'extase sur ce jeu, mais il a quand même la bonne idée d'avoir existé, d'être relativement jouable, d'être travaillé comme on les aime, parce que ça, c'est quand même... Ouais, ça fait bien jeu Neo Geo, quoi. Ouais, je me jette dessous, maintenant, c'est mon nouveau talent.
Rose King. En fait, je voulais redémarrer le niveau avec 3 vaisseaux. Vous y croyez, vous? Non, vous n'y croyez pas. Vous avez raison. J'ai totalement improvisé une excuse dont j'ai seul le talent. Salut! Je veux bien autre chose qu'une bombe en bonus, les gars. Eh oui, non, mais je vous dis, la bombe, c'est sympa, mais... Je vois pas trop ce que je vais en foutre si j'ai pas un tir adapté pour aller avec. J'ai pensé à ça. Et oui, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire énormément. Ça veut dire que je ne suis pas libre, que je peux uniquement mettre de l'argent dans cette borne, et qu'il faut que je slalom entre des boulettes dans un jeu que je n'ai jamais parcouru, et sur lequel j'improvise avec des petits réflexes de jeu. Et c'est terriblement douloureux, en fait. En tout cas, ça commence à tirer un peu, genre, hey, comment t'es arrivé jusqu'à ce troisième niveau, toi? T'as encore de la monnaie? Bouge pas. Alors, le truc naze, c'est, oui, ils vous ont mis une seconde d'invincibilité quand votre vaisseau réapparaît. Comme ça, tous les bonus se barrent. Et vous, vous êtes comme un con, avec votre pistolet à bouchon. Pour ça, il y a une très très grosse faute de gameplay, quoi. Qui est limite pardonnable. Veux-tu continuer? Eh bien non, je n'ai plus envie, cher ami. Aïe, je suis repu, je suis plein. Ce quart d'heure de bonne humeur de poulette m'a complètement repu. Et on va vite terminer ce stream, tout simplement. Qui es-tu? Ah ah, eh bien je suis Monsieur K. Oui, je fais super bien les rires diaboliques forcés. Veux-tu continuer? Non, je me casse, regarde. Hop, je suis plus là. Donc, mes petits amis, ce jeu était quand même à la limite de l'ennui maximal. Donc, il reste dans les sélectionnés, mais c'est pas un must-have. Vous pouvez très bien continuer de vivre sans. Et donc, ce Acrobat Mission sera dans votre collection si vous n'êtes pas passionné, mais pas certainement dans les jeux que vous ressortez tous les 6 mois. Voilà, voilà pour le stream du jour dans The Big Game of Ski. On se retrouve demain à 19h, comme tous les jours, et j'ai bien l'intention de vous flooder encore avec un jeu. Ce sera probablement un shmup, et si les joies du hasard font que je tombe sur une nouveauté, eh bien ce sera avec bonheur qu'on la découvrira ensemble. Des bisous, prenez soin de vous, ciao.